vous êtes en joie, j'aimerais être aussi en joie comme vous, mais malheureusement, moi, j'ai des problèmes. Non, franchement, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Et ça, c'est un problème qui est arrivé dans mon village. Franchement, ça fait que ça me rend un peu triste, quoi. Parce que vous vous rendez compte, la situation est tellement grave, tellement alarmante, chaotique. Je voudrais même dire qu'on est en train de frôler l'hécatombe, quoi. Vous pouvez pas... Non, sérieux. Parce que vous êtes en joie comme ça, mais vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant. Vous savez même pas qu'ils ont enterré le maire de mon village vivant. Non. Sérieusement. Et ce qui s'est passé, c'était simple. Il avait fait un accident brusque, violent. Un accident vraiment qui a fait parler de toute la zone pendant un bon moment. Lorsque les villageois ont appris que le maire a fait un accident, ils se sont organisés. Ils ont fait une délégation. Ils se sont déportés sur le lieu de l'accident avec un cercueil. Dès qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas cherché à poser question. Ils ont pris le maire. Ils l'ont mis automatiquement dans le cercueil et direction le cimetière. C'est quand ils sont arrivés au cimetière, au moment où on devait le mettre dans la tombe, que le maire a commencé à s'agiter. Il a commencé à bouger et il criait, « Je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. » Les villageois ont dit, « Non, tout ça c'est du superfétatoire, tu as menti. On va t'enterrer. » Et on l'a enterré. Une semaine après, le gouvernement a envoyé une délégation de policiers pour mener enquête. Ils ont rassemblé tout le village avec le chef du village à la tête. Et ils lui ont demandé, « Chef, il paraît que vous avez enterré le maire. » Il dit, « Oui. » Lui-même, il reconnaît, il dit oui, on l'a enterré. On dit, mais il paraît qu'au moment où vous étiez en train de l'enterrer, il était en train de crier, je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. Il a demandé à son acolyte, là, son notable, il dit, quand on l'enterrait là, tu as entendu il crier, non? Il dit oui, on l'a entendu, il criait, il disait, je n'étais pas mort. Il dit, ah, moi-même, j'ai entendu aussi. Maintenant, l'officier de police dit, mais si vous avez entendu qu'il criait, il n'était pas mort, mais pourquoi vous l'enterrez quand même? Il dit, ah! Mon frère, toi t'es policier, hein? Est-ce que toi tu connais le maire? Toi tu ne le connais pas, c'est nous, on vit ici avec lui. De toute façon, il nous fatigue là. Est-ce que toi tu sais? Hein? Quelqu'un qui nous a dit, ici on n'a qu'à le voter, il va construire un hôpital pour nous. On l'a voté, il nous a menti. Il n'a pas construit. Après, il dit non, on n'a qu'à le voter encore, il va construire une école pour les enfants. On l'a voté, mais il nous a menti, il n'a pas construit. Regarde mon frère, tu as vu là-bas là? Il dit oui. Tu vois en haut là-bas? Il dit voilà, c'est espace nous-mêmes, on a nettoyé. Il dit, va construire château d'eau. Les gens vont boire l'eau là, c'est ça qui est là-bas. Il n'a pas construit, il nous a menti. Donc quand nous, on a appris qu'il a fait accident, on est arrivé sur le lieu, et puis on l'a vu coucher. On l'a pris, on a mis dans le cercueil. Il était en train de crier, je ne suis pas mort. Nous, on s'est dit, ah, c'est son habitude. Là, on l'a pris, on l'a mis dans le cercueil, on l'a enterré, c'est fini. Maintenant, il y a un qui demande, mais officier, donc il n'était pas mort, hein? Il dit, non, il n'était pas mort. Il dit, mais donc, allons le déterrer, alors. Il dit, mais il est mort maintenant. Il dit, voilà, il t'a dit, voilà, tu as vu ce qu'il nous fait ici d'habitude, là, non? Quelqu'un qui dit, il n'est pas mort. Tu vois? Quelqu'un qui dit, il n'est pas mort. On dit, on s'en va le déterrer. Il dit, il est mort maintenant, tu as vu? Il n'a même pas une seule parole. Tu dis une chose le matin, le soir tu dis autre chose. Vraiment, les politiciens... Pff.